Salut à tous, bienvenue sur GeekGamingCH, c'est Boomer qui vous parle, j'espère que vous êtes tous super en forme et on se retrouve pour l'épisode 2 sur Tramsim. Donc, j'avais fait le premier épisode où on était en open world et là le but c'est de faire donc la route inverse mais cette fois en mode horaire, donc là où on doit respecter l'horaire. Je vous montrerai comment on fait le setup du truc, c'est relativement simple. On est encore dans des fonctionnalités basiques de l'Ibis ici. Donc l'Ibis c'est le système qui vous permet de configurer votre route, hein, donc aussi afficher les bons messages sur les panneaux, hein, tout ça, avec la bonne ligne et les bonnes annonces aussi. Alors là, il n'y a pas encore tous les détails qui sont implémentés, hein, on a encore les écrans dans le tram pour les voyageurs, où là, dans le futur, il y aura aussi les arrêts qui seront affichés et animés, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, sinon, il y a eu deux mises à jour, donc là, on est dans la 1.0.3, qui est sortie donc vendredi passé, qui était vendredi 13, oui. Et la chose la plus importante, pour moi en tout cas, alors au niveau des bugs, j'avais pas eu des trop grosses choses à part dans les passagers qui restaient coincés dans les portes. C'est ici au niveau du profil maintenant, donc les choses se sauvegardent. Avant on quittait et on perdait tout. Donc là au moins ça reste, on perd pas nos données, on peut un peu augmenter. Et surtout, le développeur est en train de travailler sur un nouveau tram qui sera gratuit, mais accessible seulement à partir d'un certain niveau de points. Donc ça c'est assez cool, je trouve, ça augmente un peu la durée de vie du jeu. Donc, ça veut dire qu'il faudra jouer pour pouvoir avoir accès à ce nouveau tram, qui sera un tram un peu plus ancien. Il y a déjà quelques images qui sont disponibles. Voilà, mais c'est un peu ça. Alors, ne parlons pas plus longtemps, hein, la vidéo risque déjà d'être déjà un peu longue. Vu qu'on va se faire la route complète, je ne vais pas forcément faire d'accélérer. Il y a des gens qui m'ont demandé de ne pas faire d'accélérer, donc je ne vais pas le faire. Donc ça veut dire que la vidéo sera relativement longue, donc n'hésitez pas à avancer un petit peu. Voilà, où vous avez envie de regarder, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, on a dit donc timetable mode, hein. Direction of travel, on va mettre Stefan Fadinger Pass, donc on va le faire dans l'autre sens. LN Tree Station, on va se mettre à Prater, donc voilà. Ce qu'on va faire peut-être, c'est se mettre un peu plus en fin de journée. Ça vous va, hein, 18h30. On va pas mettre le Covid mode cette fois. Voilà, allons-y. Autre chose, j'ai fait un petit skin aussi. Alors j'en ai fait plusieurs, hein, déjà de pas mal de transports suisses. Mais là, celui que je vais vous montrer ici, c'est un skin que j'ai fait pour la chaîne. Donc c'est tout simplement la livrée de la chaîne. C'est un peu pour le fun que je l'ai fait. Je vais pouvoir vous montrer tout de suite. Voilà. Magnificence, regardez-moi ça. Voilà, donc c'est ça. Je me suis un peu amusé. Voilà. Bref, c'était pas pour ça que je faisais la vidéo à la base. Donc, on est là, on est à notre arrêt. Maintenant, il faut qu'on configure la ligne. Donc là, vous allez avec votre souris en haut, hein, vous voyez l'écran, il devient un petit peu noir. Vous cliquez. Et là, il va falloir sélectionner votre horaire. Guillemets. Donc on part de Prater à Optale, il est 18h30 et là on voit qu'on peut avoir quelque chose à 18h58. Après vous pouvez ah ben voilà, Prater 18h34 dans 4 minutes, on va prendre celui-là. Je vais juste ouvrir l'heure ici. Donc c'est bien dans 4 minutes, c'est parfait. Donc là on a l'autre ligne, vous verrez qu'ici sur l'Ibis, voilà, il y a W3 qui s'affiche. Je pense que le W veut dire warten en allemand, donc attendre. 3 minutes, donc voilà. Donc là, on peut déjà aller à l'autre station. Est-ce qu'on a un autre tram qui nous colloque? On n'a pas encore de collègue qui est derrière nous. C'est plutôt pas mal. On ferme les portes, tac, et on y va. Un peu des points. Voilà. Ouais, c'est pas mal.
Et là, on doit attendre. Là, on a encore 2 minutes 30 à attendre. Hein. Ça fait une très jolie image, là, avec le soleil. Faire même le screen pour la petite miniature là. Hop, c'est parti. Alors on voit que l'affichage aussi sur le tram est correct. Dans les wagons, vous voyez qu'on a toujours ici. Hein. C'est pas encore juste, c'est du statique ça. Mais dans le futur, ça devrait être animé comme dans la réalité. Alors il y avait aussi un autre bug où on avait la deuxième voiture ici, enfin la deuxième partie du tram qui se disloquait un peu on va dire. Alors ça a été plus ou moins corrigé, c'est une solution intermédiaire comme ils disent, qui n'est pas encore parfaite mais qui visiblement fonctionne déjà un peu mieux quand même. Alors j'ai pas encore un gros souci avec ça, mais par contre ce qui fait c'est que quand on traverse le tram on a un peu des vibrations comme ça si vous marchez dans ce wagon là. Vous êtes à pied. Voilà, c'est rien de très grave, je dirais. Après, ça va être bien quand ils trouveront une vraie solution. Alors, on a encore une minute à attendre ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, après, vous pouvez aussi hein, ouvrir les portes complètement, les bloquer. C'est ça que vous cliquez ici. Les portes restent ouvertes. Jamais. Encore 30 secondes. Alors après on sait hein, quand on doit partir, c'est quand vous voyez ici, je vais essayer de zoomer dessus, là ça crie une minute, et puis au moment plus ou moins du départ, ça va commencer à clignoter, il y aura deux petits carrés qui vont clignoter ici. Ça clignote, il y a les deux petits carrés qui clignotent, ça veut dire qu'on peut y aller ici, on ferme les portes, tac, c'est parti. La ponctualité, un 19 points. Et voilà. Wittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Allume ici. Ça veut dire que le feu devrait devenir vert normalement, je crois. Voilà, c'est bien le cas. C'est parti.
Umsteigen zu 4A. Attendre un peu, hein, on voit ici, on n'est pas encore à zéro. Voilà, là on peut gentiment y aller. Vous voyez hein, ce que je vous disais, il y a encore un peu de soucis quand même. Le wagon traîne un petit peu par terre ici. Voilà, mais ça devrait être corrigé, j'espère, assez rapidement. Voilà, ça clignote. La porte se ferme, monsieur. Radetzkyplatz. Umsteigen zu O. In Richtung Praterstern. Alors des fois on a des soucis là avec les gens qui bloquent les portes. Voilà tout le monde là, ils bloquent. Alors c'est souvent parce que soit ils attendent que quelqu'un sorte. Là on voit que le wagon il commence vraiment à déconner là. Il y a vraiment encore un beau petit souci. D'ailleurs là ça clignote. Alors le feu est rouge de toute façon, on va s'exciter. On tourne un peu en rond nos amis là. On va se devenir faire. On va démarrer. Voilà. Ouais, on voit bien le wagon. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Là.
dépêche-toi. Après, dans le pire des cas, si ça merde comme ça, puis ça dure trop longtemps, vous pouvez toujours fermer les portes, vous appuyez sur le bouton de votre clavier, hein, donc vraiment les touches, voilà, visiblement ça a débloqué. Les portes se ferment normalement, voilà. Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton de votre clavier 3 qui ferme, qui force la fermeture des portes, entre guillemets. Ça peut aider. Parce que dans la première vidéo, j'allais vers les gens en essayant de les débloquer, mais je suis pas sûr que ça aidait vraiment. Voilà, ça c'est un peu la solution que j'ai trouvée. Sinon, plusieurs endroits sur la ligne, vous avez des boucles. Si vous voulez faire un trajet plus court et faire la loupe un peu plus courte. Je pense. Ouais, on a plus une minute 50 de retard déjà. Alors je disais, vous avez des boucles sur la ligne. On va raccourcir un peu la ligne éventuellement, hein, parce qu'une ligne complète c'est environ 45 minutes, je crois, 40 minutes. Et là, vous pouvez raccourcir et vous pouvez donc faire demi-tour au milieu du trajet ou à un certain moment du trajet. Alors elles sont pas toutes actives encore les boucles. Là, je crois deux, à ma connaissance. Julius Rabenplatz. Umsteigen zu 2. Madame rentre maintenant. Ah mon dieu. Alors il y a encore un des petits soucis un peu avec l'IA. Pas grave. Pour toi. Je vais bouger le cul avant. Le feu est rouge. Et le feu devient vert. C'est parfait. La suite de la ligne, je vais un peu me taire pour parler, à part s'il y a quelque chose à dire bien sûr, mais je vous laisse un peu enjoy comme on dit, hein. À tout de suite les amis. Sie achtsam. Andere brauchen ihren Sitzplatz vielleicht notwendiger. Connections to Airport Bus. Thank you.
Schottenring. Umsteigen zu U2, U4, 31, 3A. Umsteigen zu D in Richtung Nussdorf 40A. Alors oui, mais fait, j'ai passé des feux au rouge, hein, vous allez me le dire, je pense dans les commentaires. Tu as passé au rouge, mon ami, oui, c'est vrai. J'en suis désolé. Je me suis fait... Alors je préférais passer au rouge que de planter les freins en urgence, et que tout le monde gicle à l'arrière. Je sais que c'était pas la bonne solution, mais voilà. C'est des choses qui arrivent. Heureusement, ce n'est pas la réalité. Alors là, à nouveau, hein, on doit attendre que ça clignote. On en est à quoi avec le feu? Il est rouge de toute façon. On a encore un petit peu de temps là. Allez, ça va partir. Voilà. Schottentor. Umsteigen zu U2, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1A.
zu 2 in Richtung Dornbach. Burgring. Umsteigen zu 57A. La réalité, c'est très grave. Oper, Karlsplatz, umsteigen zu U1, U2, U4, D2, 71, 2A, 59A.
Paulaner Gasse. Meierhofgasse.
essbar. Knöllgasse. Umsteigen zu 6. In Richtung Geiereckstraße. A été annoncé et probablement dans la prochaine mise à jour, donc j'espère que vendredi prochain sera réglé. Ça veut dire que c'est pour ça que je me demandais pourquoi mon horaire ne jouait pas par rapport au panneau d'affichage, parce que simplement il y avait un arrêt qui avait été sauté. Voilà l'information. Mais par contre, vous voyez que le wagon là, en attendant là, que le train passe, vous voyez que le wagon il est carrément complètement buggé ici. J'ai vu pire, hein. J'ai vu des images où c'était bien pire que ça. Mais ouais, c'est pas très beau. On n'a plus qu'à espérer que ça soit corrigé assez rapidement. Voilà. Du coup, ici, on est où avec le temps? On est à 0,5. Allez, on va vite passer. D'avance, c'est pas c'est bon. On attend juste que ça clignote. Nanananana. C'est parti. Des coups de clochette. Thank you.
Stefan-Fadinger Platz. Umsteigen zu 15a. 65a. Wir sind am Ziel. Auf Wiedersehen. Il y a juste un truc que je me demande, c'est comme là on a la boucle. Alors là il y a une double voie hein, pour mettre une voie, un tram en attente. Je pourrais m'arrêter là, mais le problème, c'est que les gens ne descendent pas. Je vais peut-être essayer. Je m'arrête ici par exemple. Ce serait pour laisser passer un collègue ici qui viendrait avant les 12 minutes d'attente que j'ai. Essayer d'ouvrir les portes, il n'y a rien qui sort. Je suis obligé d'aller à l'arrêt. Là. Il y a quand même une porte qui s'est ouverte. Intéressant. Bref. On voit que les gens ne descendent pas. Ici. Hein. Je suis obligé d'aller à l'arrêt pour que les gens descendent, mais le problème c'est que si je dois attendre 12 minutes... Alors attention madame. Je vais attendre 12 minutes, bah forcément il y aura des autres qui seront coincés derrière moi. Donc, comme on peut pas, il n'y a pas d'autre boucle pour retourner à l'endroit d'attente. Ici, il y a le point jaune ici. Voilà, je... Et où le point jaune, je crois que je vais passer. Voilà. Vous voyez, hein, le prochain il part dans 4 minutes, donc c'est pas moi. Alors à moins que je change, j'annule mon horaire et je reprenne cet horaire là. On voit que tous les gens ne descendent pas de toute façon. Et là on voit bien que le deuxième wagon est complètement déchiré. Voilà. Mais bref, on a fait notre petite course. Hein. On a 50 minutes de vidéo là, c'est déjà très long. Donc j'ai essayé aussi de pas trop parler. J'ai essayé de vous faire un peu profiter des sons et des ambiances qui est plutôt pas mal faite, je dois dire. Peut-être la circulation, quand on est dans la circulation... à l'intérieur du tram, alors vraiment que ce soit super bien isolé, avoir un peu les sons de la route, ce serait pas mal. Mais voilà, de nouveau, hein, il évolue, le développeur a même parlé d'éventuellement ajouter des bus dans le futur. Ça pourrait être un bon remplacement d'Omzy, je pense. Parce que là, Lotus, qui est censé être le remplacement d'Omzy, c'est pas encore ça. Alors même si maintenant, ils ont enfin ajouté les piétons, ils ne rentrent pas encore dans les bus. C'est vraiment lent comme développement et c'est cher, surtout. Donc je pense que celui-là pourrait tout à fait... remplacer Lotus si le développeur continue comme ça et qu'éventuellement il fait agrandir son équipe et qu'il s'y met à fond. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu les gars. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. N'hésitez bien sûr pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir bien sûr. Et en attendant je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez merci les gars, bye bye, we're out.